législative, le MAPAR majoritaire devant les indépendants. Députés de Madagascar sur les 151 à élire sont maintenant connus. Leur nom a été cité ce matin à Mbouida par la Cour électorale spéciale lors de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives. La plateforme MAPAR a obtenu le plus grand nombre de sièges avec 48 élus. Arrivent en deuxième position les indépendants avec 44 sièges. Et ce n'est qu'à la troisième place que l'on retrouve la mouvance Ravalmanan avec seulement 20 sièges. Le MMM de Azu Anjenenarville se positionne à la quatrième place en obtenant 15 sièges. Et le Yarakissik de Kamevital ainsi que le leader Fanil disposent chacun de 5 sièges. Le Parti Vert et le Simp Fiarandoa ont pu briguer 2 sièges. Et enfin, le MDM, le PSD, le FFF, le MTS et les AS auront chacun un représentant à l'Assemblée nationale. Pour ces législatives, la CES a reçu et examiné 609 requêtes. Parmi elles figurent les plaintes déposées contre 2 candidats indépendants à Befanjina Nord et à Ntranana 1. Il s'agit de Jonah Parfait et Papa Soulé. 90 bureaux de vote ont vu leurs résultats annulés. 4 circonscriptions vont devoir réorganiser leurs élections. Pour François Rakoudza, président de la CES, la sortie de ces résultats officiels signifie la mise en place de l'Assemblée nationale.